proposé et j'ai trouvé que c'était une bonne idée de parler du Spider-Man de Dan Slott et d'en faire son ordre de lecture. Vous le savez, Panini Comics a entrepris de rééditer en deluxe l'intégralité du run de Dan Slott et seulement celui de Dan Slott. Dan Slott a commencé en 2008 à l'occasion de Un Jour Nouveau et de donc Brand New Day qui a suivi la fin du run de Straczynski, vous le saviez, et qui s'appelait One More Day, Un Jour de Plus. Donc il y a eu Un Jour de Plus et Un Jour Nouveau. Et bien Dan Slott est arrivé en tant que scénariste de Spider-Man, mais il n'était pas seul. Il y avait d'autres scénaristes et à tour de rôle, il scénarisait 3 ou 4 épisodes et la série était passée au rythme un petit peu fou de 3 épisodes par mois. Ça a été lancé par Dan Slott et Steve McNiven. Nouveau départ, nouveau statu quo pour Peter Parker et l'idée de rendre ce comics qui était déjà vieux de plusieurs dizaines d'années à la fois frais et nouveau. Dan Slott a donc été pendant longtemps un des nombreux scénaristes ayant travaillé sur la série. Et puis, il a pris les rênes totalement de la série au bout d'un moment. Et il a marqué l'histoire avec des arcs narratifs comme Spider Island, Spider-Verse et bien entendu Superior Spider-Man. Aujourd'hui, la quasi-totalité de ces épisodes sont disponibles en deluxe. Alors, si vous achetez tous ces deluxe, tous ceux que je vais vous montrer, ils sont une quinzaine, eh bien, vous avez l'intégralité du run. Alors, c'est très curieux de se dire que Panini n'a pas publié ces épisodes en omnibus, mais a choisi de les ressortir en deluxe. Habituellement, quand il y a des rééditions comme ça, surtout quand il y a beaucoup d'épisodes, on a droit à des omnibus. Là, c'est en deluxe, donc ça va être chaud de tout garder en stock parce qu'il y en a qui vont marcher mieux que d'autres, etc. Ils n'ont pas tous eu le même tirage, certainement. Enfin bon, certains sont numérotés, d'autres ne le sont pas. Mais ça, c'est pas notre problème, à la limite. L'important, c'est qu'ils soient disponibles et qu'on puisse les avoir. Et c'est très étonnant de voir que certaines séries bénéficient d'une réédition deluxe. On ne se plaint pas, on adore les deluxe. Je pense notamment au Daredevil de Brubaker et bientôt, de Bendis et bientôt Brubaker, qui eux aussi sont réédités en deluxe pour le plus grand plaisir des lecteurs qui n'aiment pas les omnibus, ils sont quelques-uns. Donc aujourd'hui, l'intégralité des épisodes de Dan Slott arrive, il y en a encore un petit peu à sortir, on va en parler à la fin, notamment les épisodes de Stuart Timonen, mais il y a également des épisodes manquants. Pourquoi il y a des épisodes manquants? Parce que Panini a entrepris de rééditer les Dan Slott, mais n'a pas réédité les autres épisodes par les autres scénaristes, comme Mark Guggenheim par exemple. Et donc du coup, il y a entre guillemets des trous dans l'histoire, et des trous dans la raquette, mais on a une intégrale Dan Slott, au lieu de sortir en omnibus ou en intégrale, ça sort en deluxe, et le pari a été pris de ne pas éditer les autres épisodes, qui par ailleurs ont déjà été édités dans les bouquins que j'ai derrière moi, puisqu'ils étaient déjà sortis pour la plupart, parce qu'il en manque un peu, en deluxe. Bon, comme d'habitude, il y a des trous, mais aujourd'hui, on n'a rien de mieux à proposer que ces épisodes. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant de proposer ces épisodes et de vous rappeler l'ordre de lecture qui, bien entendu, eh bien, va vous ravir et vous séduire. On commence évidemment avec Un Jour Nouveau. Un Jour Nouveau, c'est le grand départ de cette nouvelle époque pour Spider-Man avec des épisodes de fou dessinés par le génialissime Steve McNiven. C'est parti très haut, très vite. Hein. On a eu droit à du Steve McNiven tout de suite. Ce premier deluxe reprend les épisodes 546 à 548, 559 à 561 et 564 le 564 qui est un one shot, le 568 à 573. Donc ça reprend ces épisodes là, des épisodes qui sont évidemment bien entendu tous proposés là-dedans. Donc là, celui-là se termine au 576 et la suite directe c'est le déclin de Spider-Man. Donc on passe du 573 au 581. Donc entre le 573 et le 581, il y a eu d'autres épisodes par d'autres artistes. Là, il y a au dessin, vous retrouvez John Romita Jr., vous retrouvez évidemment Marcos Martin. Et donc c'est la suite des épisodes de Dan Slott. Donc on a le 581, le 582, le 590, le 591, l'épisode 600. Et après, on a 3 épisodes d'affilée, le 618 à 621. Ensuite, on arrive à Big Time, puisque c'est le moment où Dan Slott devient le scénariste unique de la série. Donc là, à partir de là, il n'y a plus de trous. Donc dans le dernier, on avait des épisodes jusqu'au 600
21. Et là, on a les épisodes 648 à 656 dans Big Time, puisque c'est donc l'arrivée de Dan Slott en tant que unique scénariste et avec Umberto Ramos au dessin, mais aussi Marcus Martin qui est toujours là et Stefano Caselli. Celui-là donc s'arrête au 656, celui-là reprend au 657, c'est la suite, et va jusqu'au 665, voilà, donc avec les 4 Fantastiques, la Future Foundation, ces épisodes-là. Ensuite, nous avons droit, après le 665, à Spider Island. Alors, il réédite le 665 là-dedans, donc on l'aura deux fois, et ça va jusqu'au épisode 673. Ensuite, on a le 674 qui est là-dedans, ça s'appelle Naviguer à vue, et vous avez les épisodes 674 à 681 de la série donc Amazing Spider-Man principale, suivi de Fin du Monde, avec les épisodes 682, donc la suite directe, à 691. On arrive dans la zone de danger, avec les épisodes 692 à 700, et dans l'épisode 700, pour ceux qui ont déjà lu Spider-Man, il se passe quelque chose, c'est que Peter Parker meurt, encore une fois, j'ai envie de dire, mais il meurt. Et donc là, la série s'arrête, et c'est au tour de Superior Spider-Man d'arriver et de nous proposer l'intégralité du run de Superior Spider-Man en 3 tomes. Les voici, les voilà. Donc là, il n'y a plus la continuité habituelle. C'est tout simplement, donc c'est Ryan Stegman au dessin, c'est Umberto Ramos, Giuseppe Camuncoli. Il y a 3 volumes de Superior Spider-Man pour avoir l'intégralité de la série, 3 de luxe pour ce run exceptionnel qui est absolument magique. Retour à la normale ensuite, avec Une chance d'être en vie, cette couverture iconique de Umberto Ramos, et un nouveau numéro 1, puisque une fois que Superior Spider-Man s'arrête, on ne reprend pas Spider-Man avec l'ancienne numérotation, on fait un nouveau numéro 1 en 2014, et donc là vous avez les 8 premiers numéros de la nouvelle série de Umberto Ramos et Dan Slott, hein, toujours Dan Slott au scénario bien entendu. Ensuite, vous avez la suite, donc après les 8 premiers épisodes, là vous avez les épisodes 9 à 18, c'est Spider-Verse. Spider-Verse, c'est tout simplement les épisodes donc 9 à 18 avec Olivier Coipel, qui a largement inspiré eh bien, tout ce multivers que nous voyons, notamment à travers les films Into the Spider-Verse. L'épisode 18, ensuite on passe à l'épisode... Ah oui, alors après la série s'arrête, je crois que ça s'arrête, et il y a un nouveau reboot. Avec les épisodes 1 à 11 de la série de 2015. Donc, nouveau reboot, vous le savez, maintenant tous les 2 ans il y en a un. Et c'est Giuseppe Camuncoli qui dessine. Là, nous sommes sur les épisodes où, vous savez, Peter Parker est un peu devenu Tony Stark. Il n'a pas pris sa place, hein, il n'a pas pris son corps ni son âme. Il a simplement fait fructifier grâce au savoir acquis dans Superior Spider-Man, il est devenu chef d'entreprise, et donc il travaille avec évidemment son... il a plein de technologies, il a plein de gadgets, et c'est plutôt sympa. Les couvertures sont signées Alex Ross. Donc là on a l'épisode 1 à 11, là on a les épisodes dans la suite 12 à 19, ça s'appelle Jeu de pouvoir, et ensuite l'épisode 19 est reproduit une deuxième fois, allez comprendre, et ça va jusqu'à l'épisode numéro 24 de la série. À partir du numéro 25, c'est Stuart Timonen qui arrive, et donc nous aurons les épisodes de Stuart Timonen, et après ce sera la fin du run de Dan Slott. Donc on a quasiment l'intégralité du run de Dan Slott dans ces pages, et c'est tout simplement exceptionnel d'avoir autant d'épisodes et d'avoir l'intégralité de ces épisodes dans ce format, et on espère que ça restera en stock très longtemps. Vous retrouvez ce déroulé avec ses couvertures et les noms des séries à la fin de certains des bouquins, pas tous, c'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'ils mettent une chronologie, une sorte de chronologie dans certains albums. Vous voyez, dans celui-là il n'y a pas, j'en prends au hasard, dans Fin du Monde est-ce qu'il y en a un, voilà, c'est un peu dommage de ne pas l'avoir dans chaque album, parce que ça permet vraiment de s'y retrouver et ça permet vraiment de comprendre où on en est. Voilà, ça ressemble à ça, et ça permet d'y voir un petit peu plus clair. En attendant, moi je vais vous mettre en descriptif de la vidéo le nom des albums, parce qu'ils n'ont pas tous une numérotation, je le couvre, regardez, là vous avez le 1, le 2, et puis après il n'y a plus de numéro. Ça c'est du Panini tout craché. Donc je vais vous mettre les numéros de ces bouquins en descriptif de la vidéo, et comme ça vous pourrez
bien entendu vous y retrouver, parce que c'est vrai que c'est hyper, hyper, hyper compliqué. Et puis, bah, tout est disponible, évidemment, dans la mesure de la disponibilité du fournisseur, en lien dans le descriptif de la vidéo. J'espère que vous y voyez plus clair. En tout cas, Dan Slott, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, aura écrit l'histoire, et on a une quinzaine de Deluxe aujourd'hui pour lire tout ça. Vivement le prochain, qui sera dessiné par Stuart Immonen. La Conspiration des clones, c'est le dernier qui est sorti. Il est sorti il y a 2 semaines, donc on peut espérer dans quelques mois, eh bien, les épisodes de Monsieur Stuart Immonen, qui conclut de la plus belle des façons le run de Dan Slott, qui aura vraiment marqué l'histoire de Spider-Man, et d'ailleurs qui depuis aux États-Unis est revenu, puisque c'est lui qui scénarise une nouvelle série Spider-Man dessinée par Mark Bagley, et qui va relancer, paraît-il, Superior Spider-Man. On en reparlera à l'avenir. Salut.